Bonjour, aujourd'hui nous recevons Hervé Margot. Merci de me recevoir. Bonjour Hervé, donc soyez le bienvenu. Donc pour vous présenter en quelques mots, vous êtes autodidacte, vous avez pondu cet opuscule là, vous avez signé pour un contrat social ou pour un contrôle social. Voilà, tout un programme. Voilà, donc on va parler de liberté avec un grand L, de liberté au singulier au pluriel, de philo, d'économie, de promesses, de sécurité, de justice, de nature humaine, d'état-providence, et puis une petite critique de l'écologisme. Oui, en effet. C'est un peu le souci, je pense. C'est, l'écologie a été récupérée par tous les partis politiques, et c'est un peu le problème actuel. Donc ce livre est un livre très riche, hein. Vous soulevez plein de problèmes, vous posez des questions sur la dualité, la complémentarité des liens qui unissent le citoyen et l'État, voilà, sur la tendance actuelle d'individualisme, et d'un côté, puis de l'autre, l'État qui essaie de contrôler. Mm. Voilà. Donc vous avez 61 ans, vous avez un fils de 14 ans, vous êtes d'origine parisienne, vous étiez commerçant, donc pas du tout... dans la philosophie, voilà. Commerçant en accessoires automobiles. Ensuite, vous avez été commerçant en décoration, vente de tableaux à Paris dans l'île Saint-Louis. Et vous êtes à Montpellier depuis 2015. Là, vous intéressez donc... alors oui, en 2000, vous intéressez à l'économie. Vous écrivez un livre en 2010 sur l'économie. Vous le faites lire. On vous dit que c'est pas bon, donc vous ne publiez pas. Mm. Ensuite, vous avez fait une pièce de théâtre qui n'a pas rencontrer un public, vous avez essayé de la faire connaître, c'était l'histoire d'un syndicaliste qui rencontrait un extraterrestre. Voilà, un extraterrestre plutôt qui cherche à rencontrer un syndicaliste et qui lui dit « on étudie votre civilisation depuis longtemps, mais on essaie de vous comprendre, mais il reste un détail, c'est pour ça qu'on vient vous voir, qu'est-ce que vous appelez les acquis sociaux ?» Donc c'est le prétexte pour, démarrer un dialogue où le syndicaliste, même s'il est dans une contestation un peu dogmatique, ben, il est obligé de reprendre l'histoire du capitalisme, voire un peu de mettre de l'eau dans son vin, dans son récit, et voilà. D'accord. Donc cette pièce de théâtre, vous avez essayé de la faire connaître, ça. Oui, j'étais marché. Sur Paris à cette époque-là, donc j'ai été voir je connaissais bien le 10e, les arrondissements spécialisés dans les théâtres privés, oui. Donc j'étais bien accueilli, j'ai laissé ma pièce, mais personne n'a voulu la monter. Voilà. Donc pour résumer, là, vous êtes à votre troisième tentative. Exact. Ouais. Et qui a abouti parce qu'il y a un bouquin qui est sorti. Voilà. On le trouve où à Montpellier? Pour l'instant, on peut le commander chez Soramp en édition brochée, comme ça. Voilà. Vous pouvez le commander aussi à La Glorieuse, on vous transmettra directement. Voilà. Ou sur Amazon. Donc vous êtes arrivé à Montpellier et vous avez suivi l'excellent Café Philo. Voilà. Et c'est un petit peu à partir de là, d'écoute, de discipline, que vous avez réfléchi et que vous avez écrit ce bouquin. Mmh. Voilà, donc on va revenir sur des questions. Donc sinon, pour vous connaître, vous aimez beaucoup le cinéma, Woody Allen, les séries télé, les rénovations d'appartements, qualité, vous fonctionnez à l'enthousiasme, défaut, vous n'êtes pas organisé. Voilà. Oui. J'aime bien cette définition. Voilà, donc avant de partir sur les questions, on va parler du numéro prochain de La Glorieuse. Donc à la une, Nicolas Noguier, Frédéric Gall, chronique d'une éviction annoncée, interview, le refuge politique et subterfuge. Vous connaissez le refuge? Non. C'est une association qui accueille les jeunes enfants, adolescents, gays. D'accord. Qui sont repoussés de chez eux. Et qui est né à Montpellier, qui aujourd'hui s'est développé un peu dans toute la France. Ah, d'accord. L'idée vient de Montpellier. L'idée vient de Montpellier, voilà. On revient ensuite sur un dossier sur l'été moins chaud que les prévisions, mais le changement climatique est toujours là. Voilà. Ensuite, un dossier sur les primaires citoyennes en mode obsolète. On parle beaucoup des primaires, mais personne n'en veut. Et l'article historique, un nouveau personnage, Edgar Faure,
ou la politique ou au long cours. Edgar Faure, qui était bitérois et qui a été élu toute sa vie dans le Jura. Voilà, donc, Hervé. Edgar Faure, en fait, c'était une figure, enfin, historiquement, on présentait comme un centriste extraordinaire. Or, enfin, je fais le parallèle avec Macron, qui était, quand il est apparu en dernières élections, il est apparu comme un centriste. Enfin, il a fait quelque chose. Je pense qu'il a du talent, il est intelligent, il est brillant. Et il a quand même réussi, quelque part, à se faire élire sur cette idée de centrisme, droite-gauche réunie en même temps. En fait, la position de centriste est bien, au sens où, normalement, c'est des gens qui vont chercher à prendre le pouvoir, mais qui sont indépendants des idéologies, où les idéologies n'ont pas de prise. Donc, ils devraient pouvoir prendre leurs décisions juste avec leur raison, quoi. Mais en fait, moi, je pense que si c'est un échec, il n'y aura plus personne qui pourra se présenter au centre à cause de Macron, puisqu'il aura vraiment consommé tout le crédit qu'on pouvait accorder à un individu qui se présente sans idéologie. Maintenant, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une déception au sens où on a besoin de personnalité et d'idées. Enfin, on parle de droitisation de la France. C'est un peu plus complexe que ça. Je pense que c'est la déception de Macron qui a créé, en fait, la droitisation. Écoutez, on va revenir sur votre livre. Donc, votre livre est d'une grande richesse. Donc, il faudrait des heures pour le décortiquer. Et dans votre réflexion, vous parlez de trois hommes. Donc, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau et John Locke. Pourquoi avoir choisi ces trois auteurs ? Alors, en fait, en 2019, je sors un premier livre, peut-être plus simple, plus naïf, où je pensais que la nature humaine était plus intéressante que la perception qu'en ont tous les politiques, et tous les politiques qui nous dirigent. Et que c'était le handicap pour refuser et combattre la pensée libérale, que ce soit philosophique ou économique. Et ça ne donne pas grand-chose. Et beaucoup de gens m'ont reproché cette naïveté. Et en fait, dans cette perception de la nature humaine, j'avais ignoré Thomas Hobbes. Je l'ai découvert juste après. Il était connu pour le loup. L'homme est un loup pour l'homme. D'accord. Dans le Léviathan. D'accord. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la philosophie de ces trois hommes en deux, trois mots ? Facile. Donc, Thomas Hobbes fait un portrait très dur de la nature humaine. Il trouve que la nature humaine est donc égoïste, agressive, c'est en ça qu'il déduit le Léviathan, c'est-à-dire un état très fort pour pouvoir obtenir la paix. John Locke, 39 ans plus tard, va reprendre le concept de contrat social. C'est Thomas Hobbes qui l'avait donc c'est-à-dire qu'il étudie, il part de la nature humaine, il est très, vraiment opposé à la vision de Thomas Hobbes. Lui pense que l'homme dans la nature, il vit en harmonie. D'accord. Il peut évoluer, progresser. Il a juste besoin de l'État pour sécuriser son droit de propriété. D'accord. Et en dernier, Jean-Jacques Rousseau, le plus connu, celui qui a fait le livre sur le contrat social, il lui a une bonne vision de la nature humaine, vraiment intéressante, sur l'invention du langage, sur ce qu'on peut schématiser par le bon sauvage, mais sa vision est très proche dans la nature de John Locke pour ça. Mais par contre, il va souhaiter et dessiner une version de l'état de quasiment de l'état providence. Il souhaite vraiment un état important qui va très loin dans la politique et dans l'instrumentalisation d'une directive qui va très loin, quoi. Enfin, d'accord. Sur ces trois conceptions de la liberté, aucune n'est tranchée aujourd'hui.
Alors oui, sauf que quand même, dans la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est quand même qui arrive dans cette période-là, en fait, les 16 articles de cette déclaration sont vraiment inspirés par John Locke. D'accord. Parce que vous savez que Jean-Jacques Rousseau donc, a vécu pendant 6 mois dans la rue, à 2 pas du Jardin des Plantes, dans la rue qui porte son nom. Et John Locke aussi a séjourné longuement à Montpellier. Ah, je ne savais pas pour John Locke, oui. D'accord. Voilà. Et que pour en revenir à cette problématique de contrat social, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une nature humaine ? Le contrat social, la définition est assez facile. C'est en fait un contrat imaginaire entre les individus et l'État. Les individus vont renoncer à une partie de leur liberté. Et en contrepartie, l'État va promettre une sécurité et un respect du droit de propriété. Voilà. Mais en fait, Thomas Hobbes est un penseur moderne de la politique. C'est la première réflexion des philosophes sur la question politique, où il fallait sortir de la conception du roi qui est inspiré par Dieu et qui doit... voilà. Donc, votre question, c'était quoi ? C'était pour la problématique du contrat social. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une nature humaine ? Alors, en philosophie pure, en fait, c'est difficile de dire. On peut, je pense qu'il n'y a pas forcément une nature humaine. Néanmoins, on a une préhistoire qu'on commence à connaître, avec des scientifiques qui ont des travaux qui nous donnent en tout cas un bon regard sur l'existence qu'a été la nature humaine, enfin les êtres humains. Mais c'est vrai que des expériences ont montré qu'il y a eu des enfants sauvages qui ont été retrouvés dans des forêts d'enfants abandonnés tout simplement et qui ont été élevés plus ou moins en côtoyant des animaux, et en fait, passé l'âge de 7-8 ans, l'enfant ne pourra pas porter des vêtements, ne pourra pas parler, ne pourra pas apprendre à écrire, et aura des comportements extrêmement rustiques, et il ne sera pas... Donc en fait, on est des êtres humains à partir du moment de... on est des êtres humains grâce à la société. D'accord. C'est par mimétisme qu'on se construit, et se... voilà. Moi, je pense, je vais au-delà de ça, c'est-à-dire que dans mon livre, j'aborde cette question, c'est-à-dire que l'espèce humaine est l'une des rares espèces vivantes sur Terre qui n'est pas satisfaite, qui ne peut pas se contenter de son état de nature. Le seul exemple vivant, c'est le Bernard l'ermite. C'est une espèce de crabe qui n'a pas de coquille et qui va chercher très tôt une coquille d'un crustacé mort pour pouvoir survivre et se protéger. Et au fur et à mesure de sa croissance, il va changer de coquille pour pouvoir survivre. Nous, les êtres humains, on est toujours pareil. Un enfant qui naît, dans les 3 premiers mois, il ne peut pas garder sa température. Et ces conditions de survie, dans la nature, elles sont inhérentes à notre espèce vivante. On va avoir ces difficultés, et c'est ce qui fait à la fois notre souffrance et peut-être notre recherche de vouloir s'extraire de notre état de nature. Donc je pense que les problèmes politiques actuels qui ne sont toujours pas résolus, ils sont à l'origine de la conception de l'être humain dans la nature. Donc il y a la primauté de la société. Il y a la primauté du social et du vivre ensemble. Bah, c'est-à-dire que si on confronte toutes ces idées-là à la moindre idée écologiste qui traîne, à savoir... en fait, pour beaucoup d'écologistes, que ce soit en agriculture ou dans la préservation de la biodiversité, en fait, l'homme est coupable et responsable d'une destruction à partir du moment où simplement il cherche à s'en extraire et à l'exploiter. Mais à partir du moment où on va maîtriser le feu, bah, on va détériorer une partie de son environnement. Quoi. Est-ce qu'on peut dire que l'État intervient de plus en plus ? Alors... moi, je le pense. Alors après, c'est une belle question à savoir est-ce qu'on va vers plus d'individualisme ou plus d'État.
Je suis conscient qu'on va vers une ubérisation qui est réelle avec différentes activités qui sont livrées à l'auto-entrepreneur et donc on a cette individualisation. Voilà. Malgré tout, je pense que le plus bel exemple, c'est sur la médecine qu'on va le trouver. C'est-à-dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a fait un choix sur notre système de santé qui repose sur deux piliers. Un hôpital très, très fort, des CHU, des hôpitaux, et une médecine de ville indépendante qui repose sur le libéral, sur une médecine libérale. Et à côté de ça, c'est financé par un monopole public. Ce système avait des défauts, mais il a quand même très très bien marché pendant 30 ou 40 ans. Il y avait quelques défauts. On a eu dans les années 60... beaucoup d'opérations d'appendicite qui servaient à rien, des opérations de on retirait les amygdales, les végétations un peu pour rien, bon, mais c'était pas très 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 grave. Et là, ça va se dégrader à partir des années 80, où il y a deux raisons essentielles, c'est que l'État va la puissance publique vont surcharger les médecins de tâches administratives qui vont les emmerder, vont les surcharger de taxes et de retenues. Et alors après, il y a le numerus clausus qu'ils vont introduire des années 70, et le numerus clausus va réduire le nombre de médecins. Donc on se trouve actuellement dans une situation paradoxale où on manque de médecins libéraux. D'accord. Donc ça, c'est de la faute de la puissance publique. Prenons l'exemple des 30 km/h là, qui sont imposés dans toutes les villes. Est-ce que ce sont des mesures coercitives? Voilà, on peut. Ça fait beaucoup de vagues à Paris, dans toutes les villes de France. Pourquoi aujourd'hui on a l'impression que la contestation larvée là depuis Hollande, Macron, on surjoue l'écologie comme réponse? C'est un moyen d'exister pour les politiques au pouvoir qui n'ont plus. Voilà, il surjoue l'écologie, c'est à peu près ça. Oui. C'est un moyen coercitif. En fait, moi j'en suis à penser que en fait, ils jugent leur pouvoir politique à leur pouvoir à leur capacité de nuisance, en fait. Ça leur est égal de pourrir la vie d'une certaine partie d'artisans qui vont se déplacer, de gens qui ont des rendez-vous, qui ont besoin de se déplacer, donc ça n'a plus d'importance, on a dépassé ce stade, et donc, oui, on a vraiment une privation de liberté qui est importante. Comment expliquez-vous que la puissance publique impose un comportement vertueux, alors que souvent, elle ne se l'applique pas à elle-même? Non, je l'explique mal. Les voitures des élus, ils roulent très vite, ils roulent pas à 30 km/h dans la ville. Oui, bien sûr. Entièrement d'accord. Voilà, bien sûr. Lorsque vous voyez des voitures avec des gyrophares, des choses comme ça. Non, mais c'est effectivement. Bon, là, on est dans la prétention du pouvoir qui sera au-dessus du peuple, tout simplement. Donc, pour eux, ils ne se posent même pas la question dans ces termes-là, quoi. Mais depuis 5 ans, je pense qu'on a passé ce stade-là. On est au-delà. C'est-à-dire qu'en fait, plus ils vont emmerder les gens, plus ils sont contents et plus ils ont l'exercice de leur autorité qui est représentative de leur état. Ils se rendent indispensables. Alors, l'écologie aussi, depuis les années 70, prévoit la surpopulation et épuisement des ressources. Vous en parlez dans votre livre, là, les ressources. Aujourd'hui, on recycle le verre, l'aluminium, le fer. Ouais. On recycle presque tout de façon très importante. On nous annonçait la fin des énergies fossiles, comme le pétrole ou le charbon, dans les années 70, on nous disait qu'il n'y aurait plus rien au début des années 2000. Bon, apparemment. C'est pas le cas. Quel est votre regard là-dessus? J'ai un chapitre là-dessus. Effectivement, c'est assez étonnant. Beaucoup de,
d'économistes ou d'écologistes vont finaliser toutes leurs réflexions avec ce fameux argument de l'épuisement des ressources. C'est ridicule au sens où on va pas, la société ne va pas s'arrêter et fermer des mines de cuivre ou de fer hein, pour faire des musées. Donc, en fait, c'est un moyen de condamner l'ensemble du développement et du système qui nous nourrit par un argument qui n'a pas lieu d'être. Puisque l'épuisement, effectivement, on peut recycler le verre, on recycle très bien le verre, le bois, le papier, le carton et tous les métaux, l'aluminium à 95%, l'acier à 93%. Il reste les énergies, mais dans les énergies, il y a encore beaucoup de ressources et de pistes ou de développement qui sont inépuisables, que ce soit en uranium et voire en thorium qui n'a jamais été exploité. Et le thorium est trois fois plus représenté sur Terre que l'uranium. C'est un faux argument, effectivement. Alors revenons à la philosophie avec Nietzsche. Là. Il vous sert à illustrer là, une critique contre l'écologisme. Oui. Et entre autres Nicolas Hulot. Qu'est-ce que vous leur voulez à ces écologistes, à l'écologisme ? Nicolas Hulot, il est incroyable. C'est-à-dire que quand il a démissionné sur France Inter, il annonce sa démission, il explique que les lobbies ont tellement de pouvoir qu'il ne peut pas exercer son activité. Il explique que la veille, il avait une réunion de travail et il y avait quelqu'un qui n'était pas invité. Et donc, il présente cet argument, alors que ça n'a aucun intérêt. Ils n'ont qu'à lui dire, monsieur, levez-vous et partez. Et puis voilà, quoi. Éventuellement, ils peuvent pousser un coup de gueule au service de sécurité pour filtrer les personnes qui rentrent. Mais le fait de nous expliquer qu'ils découvrent les lobbies, c'est ridicule. Les lobbies existent et c'est, le pouvoir appartient bien au pouvoir. Donc, la position de Nicolas Hulot est ridicule. Ce qui est curieux, c'est quand il est interrogé à France Inter, personne ne lui fait d'objection. En fait, ils ont une autorité assez incroyable. L'idéologie écologiste est très puissante. Elle a gagné quand même une hégémonie assez complète. Que se passerait-il au niveau de nos libertés si les révoltés actuelles, que sont les gilets jaunes, les anti-vax, si cette minorité devient majorité ? Oui, effectivement, on peut penser que les anti-vax et les gilets jaunes, on a un peu ce mélange de mécontentement global, mais qui est quand même, qui reste apolitique. C'est assez curieux au départ. Si ça devient majorité. Devenir majorité, ça restera une contestation qui est diffuse. C'est comme ça que le pouvoir l'aperçoit, je pense. C'est-à-dire que justement, c'est à la fois ça qui reste un problème pour le pouvoir, puisque c'est des manifestations qui se font le samedi, il n'y a pas de corporation, et ils ont du mal à négocier avec ces gens-là, en fait. Mais c'est aussi la faiblesse de ce genre de mouvement, pour moi. Donc je ne pense pas qu'à terme ce soit dangereux pour la société, pour le pouvoir. Que c'est une capacité de nuisance, je pense que la société va s'en arranger. Mais est-ce que le vote démocratique suffit-il à rendre le pouvoir vertueux? C'est un sujet de bac, ça. En apparence, bien sûr, mais moi, c'était un peu l'objet pour faire ce livre, c'est-à-dire que je pensais qu'il y avait des questions assez simples qui n'étaient toujours pas résolues. Et c'est pour ça que je prends des exemples dans le cinéma où il y a des choses assez simples qui n'apparaissent plus, qui ne sont plus débattues dans le débat public. Et donc les politiques ont profité. Par exemple. Par exemple, il y a eu un film américain, un grand spectacle avec Mark Wahlberg et Ken Russell sur une plateforme pétrolière qui va exploser. Il y a eu 11 morts. Et le film commence, on voit les deux acteurs principaux qui arrivent sur la plateforme, et il y a le directeur de la plateforme, et le film
puisque c'est une enquête accident, c'est assez récent, et puis l'enquête accident est très précise. Il y a eu 4 fautes professionnelles de 4 personnes différentes. Dans le film, ils reproduisent bien l'enquête accident, mais malgré tout, le personnage principal va, le directeur de la plateforme, va pas arrêter de critiquer les pétroliers qui sont sur place et les rendre responsables des difficultés sur la plateforme. Et donc ce serait du début, pendant 2 heures, tout le film, on nous explique en gros que si la plateforme a explosé, c'est à cause des pétroliers qui ont mis trop la pression parce qu'ils étaient dans la recherche du profit. Alors qu'il y a eu 4 fautes professionnelles qu'on peut distinguer facilement dans le récit, où si l'un de ces ouvriers ou du directeur qui aurait pris vraiment son rôle aurait respecté les règles de sécurité, il n'y aurait pas eu d'accident. D'accord. En fait, pourquoi même dans un film américain, on va chercher à plaire au plus grand nombre, au plus grand public, en critiquant un des problèmes qui va être soulevé par la critique du capitalisme, à savoir la recherche du profit. Peut-être que c'est exact, mais à ce moment-là, pourquoi dans le monde, il y a 5-6 000 plateformes pétrolières tous les jours qui sont en activité, et elles n'explosent pas toutes les semaines. Tout simplement parce que ces plateformes-là respectent... Donc, tout résoudre, critiquer tous les malheurs du monde depuis 200 ans à cause de la recherche du profit, donc à cause de la nature humaine qui serait égoïste, pour moi, c'est totalement insuffisant. C'est ridicule. Et quand Barbara Pompili dit « il faut changer de civilisation, il faut changer de culture, il faut changer de mode de vie », est-ce qu'elle a raison ? Non. La ministre est très choquante dans son attitude et elle surjoue l'écologie, moi je trouve, dans tous les sens. Et vraiment, c'est un des aspects du problème. Alors peut-être qu'en fait, il y a le en même temps de Macron qui va être. Qui est vraiment complexe, c'est-à-dire qu'il va avoir Barbara Pompili. Ils ont dit n'importe quoi. De côté, il a Barbara Pompili qui dit ça. De l'autre côté, lui, il, au niveau écologique, il bouge pas beaucoup. Quoi. Il a carrément fait des... C'était à propos de la 5G, où il avait critiqué les gens qui combattaient la 5G, comme quoi c'était une politique des Amish. Vous savez, une communauté aux États-Unis qui vivent comme au XVIIe siècle. Il est capable de ça. C'est les fameux, en même temps, d'Emmanuel Macron qui sont très énervants. C'est-à-dire qu'il peut dire les deux choses à la fois. C'est étonnant qu'il reste populaire, plus ou moins populaire, par rapport aux autres présidents à la même époque, un an avant l'échéance présidentielle. Je sais pas, c'est une performance, ou ça va sauter, ou pas, je ne sais pas. Je comprends pas. Que Georges Frêche, il disait qu'on était essentiellement élus par des cons. Vous le savez ? Oui, je l'avais entendu. Vous étiez là, à l'époque ? Non, j'étais pas là, mais enfin, j'avais vu la vidéo, il était en conférence dans une faculté. Parce que dans la démocratie athénienne, qui est quand même la source de référence de la démocratie, il y avait 2000 personnes qui votaient. Le reste, c'était des esclaves, des métèques. La démocratie, elle était un peu confisquée par des élites. Hein. Des élites. Bien sûr. On est entre une parodie, le subterfuge et un théâtre de démocratie. Ça, c'est l'apparence que ça a. Malgré tout, il ne suffit pas de dire tous pourris. Il y a quand même des différences. Il y a des pays développés, il y a des pays qui sont moins développés, il y a eu des pays en difficulté, il y a des pays qui se sont dressés. Donc on peut quand même tirer des conclusions, on peut chercher dans les théories des réponses. C'est pour ça que y a quand même l'attitude où on peut chercher des réponses politiques et on ne peut pas se contenter de dire que ils sont tous pourris. Quoi. Parce que qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire respirer la démocratie, pour faire en sorte qu'il y ait un peu plus de liberté, que ce sentiment de contrainte subie dans la société soit pas aussi important. Je sais pas, par exemple, dans la ville de Toulouse, à la veille de la Révolution, il y avait des capitouls. Il y avait 5 élus, il y en avait
Il y en avait deux permanents et puis il y en avait trois qui étaient renouvelés tous les deux ans. Aujourd'hui, on a 80 conseillers municipaux, on a 80 conseillers d'agglomération, dont on ne les connaît même pas. Ils ont une fonction, mais bon, on voit que le maire. Voilà, c'était comme ça avant, hein. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a un bon maire, mais comme avant, c'est pareil, on les connaissait pas, ils étaient inexistants. C'était le maire qui s'activait, comme, qui battait les bras. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire respirer cette démocratie Au niveau local, j'ai aucune idée, je ne sais pas. Faut attendre qu'il y ait quelqu'un d'un peu plus conscient, réaliste, et, je ne sais pas. Il y a des expériences dans certains endroits où justement il y a cette espèce de respiration démocratique plus rapide, où les gens ont réellement des responsabilités. Je ne sais pas, j'irai plus loin, moi, c'est quand même dans les idéologies que je trouverai la réponse. Le handicap de la France, c'est qu'on avait, quand même une histoire de gauche qui était très importante, d'intellectuels de gauche, et... En fait, on a eu la chute de l'Empire soviétique et plus tard, une chute de l'État-providence, une déception de l'État-providence, de l'efficacité des politiques de redistribution qui se matérialise par, depuis 20 ans, la gauche n'a plus d'idées à défendre. On s'étonne de la fin du Parti socialiste français, c'est vrai, mais ils n'ont plus d'idées à défendre. Donc ils se rattrapent sur l'écologie de manière complètement dingue. Ils vont tous parler de ça. Mélenchon nous a fait des discours là, récemment sur l'écologie extraordinaire. Est-ce qu'on peut dire que la bourgeoisie intellectuelle de gauche a roulé le peuple dans la farine du libéralisme? Non, je ne serais pas d'accord avec ça. Non, c'était une formule. Ouais. Vous n'êtes pas d'accord? Non. Vous dites quoi alors? Non, mais on prend simplement le point de vue des économistes libéraux. C'est assez facile de démontrer le contraire, puisque en fait, il y a quatre critères pour juger une politique publique. Les dépenses publiques, ça, elles ont toujours été déficitaires, en croissance depuis 1974. Il n'y a jamais eu un budget qui est à l'équilibre. Les prélèvements obligatoires, que ce soit les cotisations sociales, c'est les plus élevés d'Europe. Les impôts également. Après la réglementation, il y a 3500 pages du Code du travail, une réglementation sur l'agriculture, l'une des plus sévères du monde d'Europe. Donc réglementation, prélèvement obligatoire, dépenses publiques et taux d'intérêt au plus bas, que dans la formule keynésienne, on est au taquet. Donc sur ces quatre critères, on est au maximum de malgré cela, si vous voulez, on est le seul pays d'Europe à avoir des gilets jaunes et des manifestations tous les samedis depuis 2 ans. Oui. Ou 3 ans, là. Plus combien de temps. Mais ce sera une contestation qui est difficile à identifier politiquement dans l'idéologie, puisqu'au départ, dans les 15 premiers jours, moi j'étais tout à fait solidaire et quasiment favorable à leurs revendications, puisqu'ils combattaient une taxe qui était sur le diesel, et ça atteignait une population périurbaine qui travaillait, qui n'était pas forcément... totalement démunis. Je me rappelle que France Culture a fait une émission avec Sonia Kronlund où elle va voir des gens en grande banlieue à Paris, des gens qui disent on n'a pas attendu les écologistes pour faire du covoiturage, pour emmener nos enfants au tennis ou des trucs comme ça. Donc il y avait une vraie souffrance. Et en fait, la revendication de départ, c'était qu'est-ce que c'est que ces taxes qu'on nous rajoute alors que nos services publics se dégradent. Et là, ils avaient entièrement raison. Mais en fait, bien au bout de 15 jours, 3 semaines, ça a été récupéré par des mouvements de gauche qui vont réclamer le retour de l'ISF. Quoi. Oui, pour terminer, là, il y a quelque chose qui m'a frappé dans votre ouvrage, là, c'est qu'on trouve rarement dans les livres de philosophie politique, vous parlez des super-héros. Ouais. De Benoît Poulvord, de Woody Allen. Qu'est-ce que vous implique le 7e art dans vos réflexions? J'ai à la fois un besoin de fiction et une passion pour le cinéma que j'ai nourri depuis l'enfance. Et en fur et à mesure que je vieillis, en même temps, je cherche à mieux comprendre la société à travers la fiction. Donc,
donc j'étais content de faire une analyse de film populaire, Le Grand Soir avec Benoît Poulvord, ou Woody Allen, où il y a quelque chose de récurrent dans les films de Woody Allen. Il s'amuse d'un phénomène que tout le monde l'espèce humaine est dans une souffrance de l'existence qu'il va exprimer de manière récurrente et malgré tout se plaindre que la vie est trop courte. Donc il joue sur ce paradoxe et ça revient sur un film sur deux en général. Il s'amuse de ce drame des individus. Voilà. Après, je cite Poulvord. Je m'en prends même à Victor Hugo, puisque en philosophie, si vous voulez, je peux faire une expérience, à savoir, je me lève et puis je mets un coup de pied dans une chaise, je la renverse, quelqu'un rentre et dit, que fait cette chaise par terre ? Et imaginez qu'il y ait quelqu'un qui dise, c'est la faute de la société. Après, quelqu'un dit, c'est la faute du capitalisme, c'est la faute du libéralisme, c'est la faute. Puis moi, je vais intervenir, je dis, non, je fais une expérience philo, c'est moi qui ai mis un coup de pied dans la chaise. Voilà. Mais depuis le début de l'humanité, les gens cherchent à comprendre ce qui leur arrive, les événements qui nous parviennent. Et la philosophie, c'était ça. Socrate et Platon, ils vont chercher à comprendre la société, les enjeux, qu'est-ce qui nous comprendre les conséquences des choses qui nous arrivent, en s'inspirant de la science pour avoir de la méthode et donner des explications, émettre des idées qui, en s'inspirant des faits, une idée en appelle une autre, et on peut trouver des réflexions et comprendre la société. Copier un rachet, la méthode du coup de... Voilà. Mais quand par exemple, Victor Hugo nous fait Les Misérables, on est touché par le personnage de Jean Valjean, on est touché par son injustice qu'il vit dans la vie, et on suit son parcours, alors que le bonhomme, il est formidable. Mais en fait, l'injustice, elle vient du juge qui l'a condamné pour 5 ans de prison, pour un pain. Donc, elle est facile. Donc, en fait, pour moi, il triche un peu, Victor Hugo, en nous tirant la larme à l'œil, parce que on s'identifie au héros. Et en fait, on a envie de... On le plaint parce qu'il subit une injustice. Mais l'injustice, là, elle est facile à décrire. Ça ne permet pas d'expliquer la souffrance du monde. C'est en ça que je vais chercher une authenticité, moi, dans le cinéma, de quelque chose que... On va terminer par la question chapeau, si vous voulez bien. D'accord. Si merci. Vous voulez nous la lire. On va rester, je pense, sur le cinéma. Hein? Woody Allen ou Van Locke? Ken Loach. Ah, oui. Ah, largement, je préfère Woody Allen. Ken Loach, il a un film terrible qui s'appelle The Free World. C'est l'histoire d'une femme qui travaille dans un cabinet de recrutement en Grande-Bretagne. Elle trouve du travail dans un cabinet de recrutement et elle est efficace, elle est appréciée par son personnel, par sa direction. Elle se fait licencier, elle crée sa propre boîte. Tout va bien, c'est sympa, c'est merveilleux. Donc le personnage reste sympathique et petit à petit, elle va embaucher une équipe pour un donneur d'ordre qui ne va pas payer cette équipe. Et donc, comme elle débute son activité, elle ne va pas payer cette équipe de salariés à la semaine. Poursuit la narration avec 3 mois plus tard, on s'aperçoit qu'elle a réussi, elle s'est acheté une voiture, elle cherche des locaux, elle a un coffre-fort, donc son activité va bien. On regarde le coffre-fort, il y a plein de l'argent, et on s'aperçoit que, en fait, et c'est là que Ken Loach donne son message, c'est qu'elle n'a toujours pas payé l'équipe de clandestins qu'elle a utilisée. D'accord. Toute bonne connaissance de cause, et elle a les moyens de les payer. Mais 3 mois après, elle ne les a toujours pas payés. Donc en fait, l'explication que nous donne Ken Loach est épouvantable. C'est-à-dire, vous prenez n'importe quel individu, gentil, tout plein, il crée une entreprise et ça devient un monstre. Mmh. Moi, je ne peux pas me satisfaire de ça. Bon. Ça
ça devient un monstre qui ne paye pas ses employés. Quoi. Donc, d'accord. Pour lui, c'est ça l'explication de la société. Moi, je... Et Woody Allen, alors ? Woody Allen, bah, non, en fait. Il, le juif new-yorkais. Les souffrances de l'existence, les paradoxes, les drames, et il arrive à sublimer. C'est l'humour. N'importe... C'est l'humour. C'est de l'humour, voilà. Il est apolitique, heureusement, dans la majorité de ses films. Parce que, enfin, ça, je l'aime beaucoup, oui. Très bien, bah, écoutez, je vous remercie. Merci.